Et bah re. Alors, tout le monde. Et on en était déjà au tour 40, ça passe à une vitesse. C'est fou, hein. Vous imaginez qu'il n'y a pas un épisode, on était au tour 0? Arrête, quand tu me dis ça me... Waouh. T'as vu? Quelqu'un n'a pas passé son tour. Oh, c'est probablement John. Ou Fred. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Non, c'est Julien. Ah, j'ai vu. Ah oui, puisqu'on était en pause, j'avais pas lancé. Quel rapport? Ouais, c'est ça. Qui passe, ça? Je pense qu'il faut qu'on... Ouais. Mais quoi? Mais il m'a trouvé ce con, mais pourquoi tu m'agresses? Bah retraite. Ah merde, il a battu en retraite. Mais cette espèce de malade psychopathe, mais je suis même pas sur tes terres. Ouais, mais depuis tout à l'heure... Je suis même pas chez toi, pauvre con. Bah ouais, mais moi je suis nécrophage en même temps, donc... C'est vrai, il joue roleplay. Il est nécrophage, oui. Alors par contre, l'armée de 4 cultistes que je viens de voir apparaître, là... ça me... Ah, mais c'est je suis moyen chaud. Ah, je suis dégoûté de pas t'avoir tué. Complètement malade cet homme-là. Arrête de piller tous les temples. Je pille si je veux. Je t'attaque si je veux. D'ailleurs, c'est même pas pillé. Ouais. C'est pas pillé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens, je trouve des trucs dedans. Est-ce que c'est vraiment considéré comme du pillage? Moi, je comprends. Moi, j'aurais défoncé le cerf-volant aussi. Mais vous êtes complètement malade, c'est tout. On est d'accord. Vous êtes frustré. Vous avez des problèmes dans vos vies que vous reportez sur mon cerf-volant. Tu ne viens pas explorer mes ruines. Mais c'est pas terrible. Enfin, en plus. Ah bon? C'est mes ruines. Parce que moi, je vois pas ça. C'est même pas dans vos territoires. Les ruines que je vois sont à moi. Oh putain. C'est comme ça que ça marche. Tout ce que mes unités voient est à moi. Ouais, ça va être pratique. Et si je viens chez toi et que j'explore tes ruines? Mais je m'en fous, venez, moi, y a pas de souci. On est des gens ouverts, nous. Pas comme tout le monde. Ouais. Ils font quoi Plus 5 en visibilité. Putain, les Jotus, c'est tellement pourri comme truc. Non, parce que ça donne de la... De la visibilité, waouh. Non, mais ça donne aussi... C'est de la merde. Ouais, non, c'est trop bien les Jotus, ça donne de la production pour les unités. Mais non, ça donne pas de prod. Non, tu confonds avec autre chose. Ça donne de la visibilité, c'est tout pourri. Attends, avec quoi je confonds alors, moi? Bah, je ne sais pas. Avec un truc moins pourri. Ah, mais c'est moi qu'on attendait depuis tout à l'heure. Non, regarde, plus 5% de réduction du coût de production des unités Jotus sur ville. Oui, non, mais juste pour faire des Jotus, pas pour faire d'autres trucs. C'est de la merde, les Jotus. En plus, les unités Jotus, c'est de la merde. Je sais pas, moi j'ai fait ça. Ah, mais ça t'as combien de villages Jotus? C'est quoi ce truc? Waouh, je suis sur une. Il y a une espèce de perle toute bleue, toute jolie là, énorme. Je sais pas ce que c'est. Ça va lui donner 100. Un conflux nourrissant? Ah oui, c'est les événements d'éclipse. Mais j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, alors, du coup, on va attaquer l'armée. C'était de ça dont tu parlais? Oui. On va attaquer... Si ton armée marche dessus, alors des bonus. J'attaque l'armée cultiste. Mais conflux nourrissant, ça réduit le coût d'entretien de l'armée et ça augmente leur régénération de vie. Mais c'était pas très clair comme tu l'as dit. Salut Dave. Alors moi je joue Capacou. Bonsoir toi. Il y a le chef qui est arrivé. Merde. Fred joue Nécrophage. Julien joue Seigneur Déchu. Et Tibbs joue les Alaïs. Soyez en guerre contre quelqu'un en moins de 10 tours. Il est mon pote, chatin. Non, mais c'est juste pour la quête, après on fait la paix. Bah, en vrai, vous pouvez vous arranger comme ça. T'es pas obligé d'attaquer. Si, moi si j'attaque, je roule. Il est où? Oh, il est greedy, Julien, j'aime bien. Il est greedy? Ouais. Ah non, pas du tout, mais non, je trouve ça normal. Si tu me proposes de faire la guerre, je veux bien. Ah, j'ai pas les points. Ah mais c'est vrai, ça coûte des points. J'ai pas assez d'influence pour faire la guerre contre des gens.
Alors, étonnamment, je gagne beaucoup d'influence, moi. Alors, on me dit, on me souffle dans l'oreillette que je n'ai pas, que je n'ai pas de recherche à l'heure actuelle. Ça peut être embêtant. Ce qui est embêtant pour le joueur français. Je pense qu'il faut vraiment que je me focus. Ah, il faut que je me focus sur la thune aussi, là. Il y a un vrai problème de thune. De taille et de thune. Non, Tibbs ne joue pas des économistes. Non. Non, mais j'aurais aimé. Parce que là, disons que c'est bien, c'est beau, hein, tout ce qu'on fait, mais... C'est bien. Mais c'est la banqueroute, hein. J'ai trouvé les mésaries, quoi. C'est la putain de vraie banqueroute, hein. Ouh, va falloir que je colonise vite, moi, parce que je commence à rencontrer du monde. Et j'aime pas ça. Allez, on attaque les cultistes, à fond, à fond, à fond. 100% sur les routes commerciales, mais j'ai pas de route commerciale. On les défonce. Oh, on les a défoncés. Ouh, j'ai un défacé une armée cultiste. Oh, une deuxième. En avant, Taïo. Je vais niquer les cultistes. Oula, ouf. Où est-ce que j'allais? J'allais là. Ah, ils sont nombreux, hein. Ah. Ils sont plutôt nombreux. On a peut-être été greedy un peu trop. Greedy à fuck. Ouais, t'es sérieux là, Tibbs? De quoi? Tu viens sur mon territoire prendre mes pierres et tu t'en vas. Je viens sur ton territoire prendre des pierres qui traînaient par terre. Ouais, ouais. Pourquoi elles traînent par terre? regarde deux secondes ce qui va arriver, ce qui va traîner par terre dans deux minutes. Il va se prendre une croisade, Tibbs, à force de prendre les peurs et les temples des autres. Mais putain, mais détendez-vous, putain, c'est ouf ça. Non. Les mecs, ils sont très ils sont tout le temps énervés. Comment vous faites pour vivre comme ça tout le temps énervé? Mais on a bien compris que faut pas te laisser vivre toi dans ce genre de jeu. Ah ouais, non, parce que là tu vois, j'ai des armées qui sont près de toi et je pense qu'ils sont prêts. Mais ils sont prêts à quoi? J'ai pris une putain de perle qui traînait. Ça, c'est dans son territoire en plus. Mais son territoire, il vient d'être à lui, son territoire, ça va, détendons-nous. Eh ben, c'est sa couleur, non? Mais sa couleur. Moi, je trouve ça très exagéré. Ouais. C'est quoi ça? Des apujas? Merde. Retraite. Je vais finir par crever avec ces conneries. Ou alors, j'attaque l'armée Mezzari qui est là. Ouais. Non, je vais plutôt les cultistes qui ont l'air plus dangereux. C'est là que je me suis fait agresser. Mais c'est une ville, c'est la ville cultiste, ça? Mais non, attends. Rase-la, tue-le. Ah non, c'est un village converti, mais on va l'attaquer, du coup. On va mettre un petit coup d'arrêt à l'expansion cultiste. Oula, il y a du monde. C'était peut-être la bataille de trop. C'était peut-être pas une bonne idée. Alors, ils ont deux armées de renfort de 6. Ouais, je pense qu'il faut que j'entre là-bas. On va rentrer à la maison. Oh, on les a défoncés. On a brûlé le village. Alors. Excellent. Ben oui. On va aller attaquer les Mezzari au tour d'après. J'attaque tout le monde, je suis un vrai connard. Ouais, mais c'est ce que je vois. C'est quoi cette... Et puis même pas sur mon territoire. Cette foutue agressivité, quoi. Mm-hmm. En même temps. Bah moi je vais tuer mon voisin aussi. Oh là 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 là. Oh non, mais il est là. Tu es mon voisin ou pas? J'ai l'autorisation ou pas? mais ça va pas bien, encore une fois. En fait, c'est les Mezzari. Détendons-nous, les gens, détendons-nous. Ah, mais moi, je suis très détendu. Hein. Bah, c'est tant bien. Mes voisins, c'est les Mezzari. Je pense que je pourrais être encore un petit peu plus détendu. Est-ce que tu peux virer ces 4000 hommes, enfin, ces 4 hommes là de ma frontière, s'il te plaît? Non. Parce que je trouve ça extrêmement désagréable de voir ça là. Ils occupent illégalement un territoire chez toi? Non, mais ils occupent très très légalement un territoire qui est collé à une case de ma capitale et j'aime pas ça. Une case de ta capitale? Non, je pense pas, non. Non, deux. J'ai pas assez d'influence pour déclarer une guerre. La différence est minime. Hein. Ah, on m'attaque. Ah, c'est les Mezzari qui ont attaqué. Bon, bah tant pis pour vous. Voilà, ils ont perdu. Ah merde, j'ai perdu. Ah, fuck! Quoi? Quoi? J'ai pas eu l'achievement entraînement tactique. Ah, mais il est carrément chez moi, lui. Bah, j'explore. Putain, qui sait s'il a eu. Ouais, mais moi j'explore avec un cerf-volant, moi. J'explore pas avec une armée. Ouais. Bah, j'explore avec une armée, moi. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas de cerf-volant, je fais avec les moyens du bord. Ah, mais c'est moi qui l'ai eu. Très bien. Mais oui.
Ainsi soit-il. Ah oui, bah, à force d'attaquer tout le monde aussi. Mais par contre, là, il faut que je rentre l'armée. Je m'en fous, moi, j'ai eu musée de rigueur. Ouais, bah dis, hey, laisse-moi les hauts guerres. Bon, pourquoi est-ce que je peux pas appliquer. Ah ouais, non, mais oui, c'est vrai, non, pardon. J'ai rien dit. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Non, non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Oui. Bon, alors on a eu le haut fait connard suprême. Connard agressif. Chef visionnaire. Ok. Et le prochain, on va faire. Ok. On va faire plus grand des guerriers. Enfin, faudrait qu'on passe au niveau 2 pour ça. Du coup, là, les Mezzari commencent à devenir gênants. On va construire. Le culte n'a pas ignoré votre agression pendant notre guerre froide et le non-dit commence à nous détester et se répond de nous inquiéter. Oh, j'ai pas peur. I'm not afraid of anyone. Hop, retour à la maison pour l'armée, le temps de se refaire. Voilà, je lui assiège sa capitale. Moi je vais attaquer le Mezzari là parce que. Parce que fuck, j'en ai besoin. J'ai besoin de ce territoire. Il faudrait que je fasse un colon aussi là. Genre là. Mmh. Ouais. Alors. On va devoir changer de. On va devoir changer de stratégie du coup. Parce que manifestement, on subit l'agression de nos voisins. L'agression, je t'ai rien fait du tout, je suis dû explorer. T'as 4000 hommes à côté de ma capitale, 4 hommes. 4, on va dire, on a qu'à dire des régiments. Ça t'as 4 régiments. 4 régiments qui s'ennuient explorer ton territoire. Ce que t'as fait exactement pareil avec les autres. Non, lui, il avait un régiment. J'avais pas de quoi attaquer une ville. Bah, est-ce que j'ai attaqué ta ville? Non, mais d'accord. On va donc faire comme ça. Comment je suis dégoûté de pas avoir tué ton cerf-volant du premier tour. Hein. Bah, le cerf-volant, il est rentré à la maison, il a fait le tour du monde. J'ai pas un exploit comme dans Europa quand j'ai fait le tour du monde? Parce que là, j'ai fait le tour de la map avec le bordel. Alors, dans Civilization, c'est un achievement. Dans Europa aussi, je crois. Bah ouais, là c'est même pas un achievement, c'est super triste. Mais non, là non. C'est vrai que ça serait rigolo, tu vois. Bah ouais, je trouve aussi. Moi. Peut-être avec. Oui, oui, il a deux colonies, il en a posé une là. Mais ça va le faire. Ouais, j'ai deux colonies. Ouais. On va l'exploser, ce connard. L'hiver arrive. Winter is coming. Ah, on va à peine avoir le temps de passer en été que pouf l'hiver. Mais non, c'est la fin de l'éclipse. Ah, le booster d'or. Là. Ok. Ce coin est tellement mal famé. Ok. Là. Oui, oui, oui. Moi, j'attends que ces fortifications tombent. Mégapole. Expansion, bâtiment légendaire. Oui, bah c'est pas pour tout de suite, les gars. Bâtiment légendaire. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, déjà, Genre vraiment, vraiment pas. Ah mais Flutio! Qu'est-ce qu'il y a? Mais le con! Qu'est-ce que ça fait encore? Non, en fait ça va, mais attends. En fait... Il bosse. Attends. Merde. C'est pas très clair.
Non, mais je me comprends, je me comprends. On comprend okay. pas ce que... Nous, on n'a pas ta vue, hein, donc... Ouais. Pour nous, c'est un peu obscur, mais ok. C'est pas, voilà. mal, ça. C'est pas mal, ça. Non, c'est... non, non, en fait, j'étais en train de construire des unités, mais j'avais pas vu que j'avais fait une quête qui m'avait rapporté gratuitement 2 unités, en fait. Mmh. Du coup, j'ai une armée toute neuve dans ma ville. Dans la ville, dans la ville. T'as bien de la chance. Ouais. Du coup, on va pouvoir aller taper les Némésis. Enfin, les Mezzari, pardon. Les Némésis. C'est ceux qui sont mes Némésis à moi. Putain, on a encore Côtière 1 en recherche, quoi. Bon, allez, la bataille pour sa capitale, on l'a fait en manuel, quand même. Histoire que ce soit joli. Allez, va, toi. On va exploser sa milice. Il faut donner un petit peu de spectacle aux viewers. Il faut du spectacle, ouais. Du spectacle. Baby. On y allait voir un pestacle. Alors quoi? Tu vas tester Stupéflip, crou. Eh ouais, mais moi je peux avoir que 4 unités dans mes armées. Ça veut dire que... Un combat restant. Oui, mais c'est moi qui suis en combat. Bravo. Mais j'ai dit que je le faisais en manuel. Ah ouais, je sais. Ils sont beaux les combats en plus. Enfin beau. Moi j'aime bien. Okay, mon infanterie tape pas du tout, mais c'est en même temps c'est une unité défensive. Hein, mon infanterie. Elle tape pas fort, par contre, elle a plein de défense et plein de PV. Bon, est-ce que les gens sont contents dans mon empire? Non, les gens sont pas contents, pas du tout contents. De toute façon, là, on va les noyer sous le nom, clairement. Et le man, c'est à moi, hein. De quoi? Et le man, je peux le prendre? Ah, la province. Oui. Non, je parle à titre. Et le man. Ouais. 4, 5. Si bah, c'est pas où c'est que tu peux le prendre. Qui c'est qui mange encore là? Bah en fait c'était plutôt la province au-dessus d'Eloman. C'était quoi? La province au-dessus d'Eloman. Bah ouais mais je peux pas l'atteindre et elle sera pas collée à mon empire si... Bah si, la province de glace là au-dessus. Bah, c'est... Oui toi c'est celle-là, toi c'est la province de glace que tu voulais. Non. Non mais non, mais moi en fait comment... Entre mes deux territoires, je peux coloniser qu'Eloman. Bah, ce qu'il y a en dessous de toi. C'est comment c'est de la terre brûlée. Ah. Là, c'est du volcanique. Bah oui. Il y a naturellement des biomes volcaniques, hein, pas d'inquiétude. Donc bah je peux rien en faire en fait de ce qu'il y a en dessous. D'accord. Je sais pas pourquoi je sens que je vais le regretter de te laisser ça. Bon, en même temps c'est pas la comment c'est pas le truc le plus ouf du monde. Hein. Sans que ce soit le plus ouf du monde, c'est un truc qui pourrait te pénaliser et... C'est pas mal, voilà. C'est pas mal. Par contre, dans ma capitale, je n'ai pas de ressources de luxe. C'est-à-dire... Et je n'ai pas de ressources de luxe dans mon autre ville. Oui, mais t'as peut-être des ressources de luxe que tu vois pas encore. Ouais, bah non, mais je pense bien. Oui, je pense bien qu'il y a des choses qui vont arriver. Mais disons qu'en attendant, c'est pas glorieux. Dans la ville. C'est qui passe pas son tour? C'est Clément, je suis en combat. Oh là là. Battle for Azeroth. Là, ça prend 3 plombes. Ouais. Mais c'est quoi ce vieux miss là? Oh là là, c'est tellement long. Ah bah oui, mais bon, c'est important. Mais pas toi. Ma populace. Ma populace, c'est tellement long à venir. Mon empire en général. C'est mon empire qui est long. Ils prennent tellement leur temps. Ah, c'est une... Il y a Ben qui dit que j'ai entendu dire qu'il y a une place pour une belle ville pour toi, des Gringus chez Teams. Ouais, si personne veut de votre terrain volcanique, je vais venir m'y installer, moi. Tu peux te détendre, si tu veux, oui.
Non, mais si personne ne s'y installe, hein. Les avis sont partagés. Oh, comment ça, moins 11 en or par tour, là? Frais militaires, ah ouais. Ah ouais, bah ouais, je déconne. J'ai déconné avec l'armée, là. J'ai fait le con. Ah ouais. Merde, il est où mon cerf-volant? J'ai perdu le cerf-volant. On va peut-être déplacer un citoyen. Il est où ce truc de merde? Dans l'argent, dans ce cas-là. Ah putain, ça suffit pas. Bon, bah je sais pas, je sais pas il est où. J'ai perdu mon cerf-volant. Ouais. Quelle angoisse. Bah ouais. Obligé de déplacer des gens dans... Je suis super triste. Ah non, il est super là. Ok, parfait. Qu'est-il ? J'ai retrouvé mon cerf-volant. Boum ! Produisez 42 sciences. Mais je fais même pas 42 sciences dans l'Empire, ils sont sympas, eux. Moi, science, oula, 22. Et 22 parce que... j'ai tractionné pour les avoir, hein. Ah, c'est pathétique. Ma production est aussi pathétique que ma science. Donc on est bien ? Un peu. On est bien. Vas-y, hey, tu sais quoi, je vais claquer les réserves de bouffe. J'en ai plein, là. J'y pense pas, mais c'est trop bien, ce truc-là. Pour moi, j'ai pris la capitale de l'unité. Bien joué. Moi, je vais aller m'occuper des Mezzari dès que tu auras fini ton tour. Bah, je l'ai passé, ça y est. On doit peut-être les améliorer, par contre. On peut pas les améliorer. Qu'est-ce que c'est que ces unités de merde? Alors... On peut pas... La populace se passe à 6. Bien. Je raconte pas comment je rame pour faire passer la populace à 6. Oh non, dis rien. Dis rien. J'ai même pas une ville avec la populace à 6, moi. Donc, Ah, peut-être que... Attends, en claquant un boost, là... Et un deuxième. Oh, non, attends. Oh là là. Putain, je l'ai claqué où le premier? C'est dans la capitale. Faut que je fasse ça, j'ai pas le choix. Oula, non, c'était là. Donc là, faut que j'en claque un deuxième dans la capitale. Ah, mais ça c'est pareil, il me faut de la thune. Bref. La gestion de cet empire est catastrophique. une grosse catastrophe. Yeah. Oh, mais du coup, c'est de la merde. Ouais. C'est de la merde. Mais complètement, c'est de la grosse merde. Moi, ça va. C'est de la grosse, grosse merde. Je suis à l'ouest. Mais oui, complètement que je suis à l'ouest, évidemment. Comment ça peut être autrement, de toute façon? Moi, c'est mon armée qui est merdique, là. Quête de faction. Atteignez une approbation, adoration dans l'Empire. Oh, bah, putain. C'est pas gagné, hein. Ah, non. C'est pas gagné. Déjà, je leur ai fait des chiottes, là. Mais j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Ils veulent peut-être un marché, maintenant. Je pensais que des chiottes les raviraient. Ils sont ravis. On pourrait dire. Bon, bref. En fait, on est fort que pour un truc, c'est les perles. Tout le reste, on pue un peu. Bah, ça donne des putains de bonus, les perles. Par contre, les armes en perles, les armures en perles, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Bah, c'est pas ouf, quoi. Mais sinon, le reste, ça va. Hein. Ah merde, je voulais aller là. Je voudrais récupérer assez de bouboules pour construire le truc d'Origa, moi. Des bouboules? Ouais, les bouboules. Ouais, non, t'as raison, Ben, t'as raison. Ben dit, mais du coup, avec ta terraformation, la prise de tes villes n'est jamais rentable pour tes ennemis. Effectivement, si j'ai... En late game, ça va, parce qu'il y a des techs pour les autres races pour exploiter la terre volcanique, mais c'est en late game. Après, attention, parce que, malgré tout, il y a quand même des bonus très intéressants sur les terrains volcaniques.
Ouais, mais est-ce que t'as de la bouffe sur les terrains volcaniques? Il y a des cases qui rapportent de la bouffe. On l'avait déjà vu hier quand on a. Ouais, mais est-ce que c'est pas des cases avec des anomalies? Parce que. Mais tout à l'heure, moi, j'avais une partie, je faisais une partie avec les Morgaveurs et j'ai croisé une région volcanique. Il n'y avait pas de bouffe. Hein. Je voyais ouais. Zéro bouffe. Quoi. Ah. Donc tout à l'heure, t'as dû voir des cases avec des anomalies dessus. Ouais, probable. Je me suis le retour de Jean-Pierre Moisy. Non, moi ça va. Non, non. D'ailleurs, tu sais quoi, la prochaine fois qu'on jouera à Stellaris, j'ai déjà décidé de jouer la Bavière. La Bavière de Stellaris. Bien sûr. Le royaume de Bavière. L'Empire. L'Empire oui. Galactique bavarois. Évidemment. C'est classe. Ok. Non. Pour attaquer cette cible, vous devez déclarer la guerre. Tristesse. Est-ce qu'on attaque la... Est-ce qu'on déclare la guerre? Centre de recherche. C'est quand même pas rien. Ouais, mais je vais pas le faire là, la centre de recherche. Hein. Pff, c'est de la merde, putain. La Bavière interstellaire. Oh là 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 là, putain. Ça peut être sympa. Purge, hein, ouais. De purge de l'économie. Je me demande si je vais la garder, leur ville. Là. Parce que bon, elle est mal placée. Bon, je l'aurais décalée d'une case, mais je vais pas la raser pour la décaler d'une case, quand même. Bon, j'attaque. Ah, on va la garder. Il y a des anomalies. C'est pas trop dégueulasse. Tu devrais conjurer le sort et jouer la Bohème ou la Pologne. The Space Polish. Pologne came into space. Eh, y a bien un mode sur Steam pour jouer l'Empire canadien. Donc. Dans quoi? Sur le Steam Workshops pour jouer Stellaris. Stellaris, l'Empire ouais. Canadien. Ouais, pour jouer les Canadiens dans Stellaris. Oui. Ok. C'est complètement con. Bah, non. Ah, enfin, avec tout le respect que je dois à mes viewers canadiens, bien sûr. Non, mais on peut se dire qu'il y a eu une guerre mondiale, c'est le Québec. C'est le Canada qui a gagné, et maintenant tout le monde est canadien. Ah, l'impérialisme canadien, c'est vrai que c'est un impérialisme extrêmement connu, on sait que depuis tout temps, ils ont essayé de conquérir le monde. Très agressif, oui, ces oui, gens, oui, très oui. agressif. Il est vrai, il est vrai. Qui ne passe pas son tour là. C'est moi, c'est moi. Les planètes polaires en préférence. Ah bah oui, non mais c'est ça. C'était ça. Ouais, ce soit, tu, c'est pas un mode, c'est juste un mec qui a fait une nation avec le truc du jeu de base. Quoi. Non, je fais un mode. Pour avoir Ah oui, ouais, d'accord. T'as un drapeau canadien, t'as tout quoi. Yes. Bon, ça progresse pas mal. Ok. On peut se laisser aller à un colon peut-être. Shoot your promenade away. Shoot your promenade away. Éventuellement. Et là, on est toujours à 6. Je sais pas comment t'es censé la jouer, cette race. C'est très étrange, quand même. Bah, c'est vrai qu'ils n'ont pas de truc particulier. Bah non. C'est ainsi, ils explorent bien. Ok. C'est bien. Bah, c'est pas suffisant, quoi. Ah. C'est genre vraiment, vraiment pas suffisant. Après, avec tes skiffins, tu peux récolter plein de ressources. Ça. Ah ouais, mais je récolte. Mais il faut que je me pose chez quelqu'un pour que je commence à récolter des trucs. Ah, mais il a une ville ici, ce bâtard. Moi, je veux bien récolter des trucs chez les gens, mais déjà, quand j'y passe simplement, tout le monde gueule et m'agresse. Alors imagine si je commence à récolter des trucs. Ah,
Les gens sont intolérants. Au lactose. Aussi, peut-être. Bon, je suis en guerre ouverte avec les Volters. Ça se passe pas bien. Hein. Ah, stratégie d'Empire dans 6 tours, il faut faire quelque chose à ce sujet. Ouais, c'est pas rentable. Ok, très bien. C'est pas rentable du tout. Bon, quand est-ce qu'on a les recherches de tiers 2, franchement, c'est long. C'est quoi ça? Une de vos villes est assiégée? Putain de bâtard de merde, de saloperie de pute. Ah, j'ai ma petite idée sur qui fait quoi. N'est-ce pas, Julien? Ah non, même pas. À l'assaut. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'y suis en 2 tours. Parce qu'on est quand même très très rapide. Merde. Ah, mais j'ai force fantôme, elle est invisible, ma force, c'est trop bien. Ouais, t'as trouvé un petit trinket là à mettre sur. Ouais, ouais, c'est super cool. Ouais, je suis tombé plusieurs fois sur ce truc là dans les parties, c'est vachement bien. Le trinket de la fourberie, c'est bonjour, hop. Tu viens de perdre une ville. Ouais, faut que je me délocalise. Un colon. Le colon, 32 tours. Oh la vache. Ok. Ah, ça fait un peu beaucoup là par contre. Faut le vouloir. Hein. C'est le colon que t'as à la fin de la game quoi. Je sais pas combien de temps ça prend une partie en général. 200 tours, non? Peut-être même moins. Bah, j'en sais rien en fait. Ils veulent quoi les machins là? Automatique, attaque, prêt au combat, ouais. Allez, dégagez. Vite, assemblons l'armée. Crée. Alors. Voilà, j'aurai bientôt mon armée toute neuve. Moi, j'en ai une d'armée toute neuve. Voilà. Parce que j'avais pas confiance en John, du coup j'ai fait une armée toute neuve. Tu as bien fait. Je pense. No offense, hein, Julien, mais... C'est ça. Mais un peu quand même. Il est vrai qu'il a montré des signes d'agressivité très tôt dans la partie. Très très tôt. Je me souviens encore, jeune royaume de Bavière, tremblait d'effroi devant ce royaume de Lombardie, si agressif, si véhément dans le propos. Avide, moi je dirais avide. Quoi ? Tu as fini par te vassaliser. J'avais pas le choix, j'ai perdu mon trône. J'avoue. Ah, une nouvelle ère de recherche, putain, quand même. Attends, il me dit quoi ? Ouh ! Il me propose une trêve et il me file... Oh, oui ! Ça sert à quoi, tous les postes, tu sais, postes d'études, postes de trucs comme ça qu'on trouve dans l'eau ? De quoi ? Il y a plein de trucs dans l'eau. Des trucs qui s'appellent des postes d'études, des citadelles. Bah, il faut y aller, virer les gens qui sont dedans, et après ça va te générer des ressources de luxe ou des ressources stratégiques, et un peu de science et un peu d'influence. Ah d'accord, donc il y a des gens dedans, il faut leur péter les dents, c'est ça? Oui, voilà. Ok. On reste dans un 4X, hein. Ok. Mais on me dit rien, moi aussi. Bah, ça, je l'avais déjà dit la dernière fois qu'on avait... Ouais, mais ça, c'est un peu comme le reste, j'ai pas écouté. Ouais, exactement. Construisez une tour de guet à Telkest. Comment voulez-vous que je trouve d'où je... Ok, bah moi, il m'a proposé une trêve, et du coup, il m'a filé une ville. J'ai pas la tech. Du coup, j'ai accepté. Bien joué. Du coup, je lui ai pris sa capitale par les armes et une autre ville que je voulais par la diplomatie. Par contre, c'est pas là que je l'aurais mis, donc on va probablement où est la tech. Raser. Où est la tech des tours de guet? La tech des tours de guet, c'est... Route impériale. R numéro 2, tout en bas, à côté des bateaux.
Les routes impériales, ok. C'est ce qui permet aussi de faire des routes et du commerce entre tes villes. C'est quoi mes techs exclusives, moi? Ouais, bon, par contre, tu m'excuses, l'indompté, on a fait la trêve, tu m'as filé une ville, mais j'avais lancé le pillage de ton truc avant qu'on fasse la trêve, donc je finis mon pillage quand même. Voilà. Et ça va me rapporter des trucs. Fort logiquement. Cher à canon. J'ai pillé un village de faction mineure. Ah. Je vais voir si je peux pas aller agresser des trucs dans la flotte là pour récupérer. C'est rentable. Hein. Des usines et tout. C'est bien de. Ouais, bah je vais essayer. Je vais essayer. Mais comment ça va, le pillage s'est stoppé? Ou alors j'ai loupé un truc. C'est probable. Voilà. Allez, on attaque la ville, bon Dieu! Taillot. Ok, bon, allez, c'est parti. On va essayer de voir ce que ça donne. C'est qui le marron? Est-ce qu'on fait une pause comme il est 50, 55? Déjà? Bah oui. Le temps passe vite quand on s'amuse. Merde! Par contre, du coup, l'épisode est plus court. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Bah, ça fait combien de temps qu'il dure l'épisode? Moi, ça fait 36 minutes, mais c'est pas gênant. Bah, c'est bien, c'est nickel. Fais une pause du coup? Bah, pause alors. Allez, c'est parti.